Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Université populaire d'Histoire. Il y a une petite musique qu'on entend, je ne sais pas. Alors, je suis évidemment ravi d'accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est un habitué de l'Université populaire à Pessac, mais aussi du Festival du film d'histoire, Nicolas Verte. L'historien Nicolas Verte. Bienvenue Nicolas. Et donc, Nicolas, alors je vais quand même le, le présenter à nouveau, même si vous, vous le connaissez très bien, comme je viens de le dire. Donc, Nicolas est historien, historien bien sûr, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique, de la Russie, d'une manière plus générale. Il a publié des livres de référence depuis 40 ans, c'est vérifié. Alors, je vais citer quelques titres, hein. il, y en a, il y en a énormément. Euh, l'histoire de l'Union soviétique. qui bien sûr a été maintes et maintes fois, enfin, combien il y a d'éditions de, de de... Enfin, au PUF, le gros neuf. Neuf rééditions, voilà, euh, pendant toutes ces décennies. Euh, rééditions avec mise à jour, évidemment. Euh, ça va de soi, mais c'est aussi bien en le disant. Le livre noir du communique, donc, pour la partie Un État contre son peuple. Les procès de, Mer de Moscou, euh, publiés en 2006 sous édition Complexe. La terreur et le désarroi, euh, en 2007, chez Perrin. L'ivrogne et la marchande de fleurs consacrée à la Grande Terreur, donc aux éditions Talandier en 2009. L'État soviétique contre les paysans, toujours chez Talandier en 2011. Les révolutions russes en 2017, toujours chez Que sais-je. Les grandes famines soviétiques, encore chez Que sais-je en 2020. Et puis, euh, alors j'ai pas tout cité, hein, j'ai fait, il euh, y en a deux ou trois fois plus. Et le dernier ouvrage publié, c'est Poutine historien en chef, donc chez Gallimard, dans la collection Tract. Et ce sera, bien sûr, l'objet de notre rencontre. Alors, je disais que, euh, Nicolas, vous étiez venu à l'Unipop à de nombreuses reprises. Vous avez parlé à l'Unipop des grandes famines, des révolutions, du Goulag, de l'île au cannibal, de euh, l'Ukraine et de la Russie, euh, en écho à la sortie du film Donbass. Vous avez parlé de Staline, de l'Église orthodoxe, des soviétiques victimes de choix, de deux totalitarismes. Et enfin, vous avez même parlé l'an dernier de votre père, Alexander Werth. Alors, vous êtes là ce soir non seulement pour la publication euh, de votre dernier livre, Poutine, historien en chef, non seulement en tant que spécialiste de l'histoire de, de l'Union soviétique, mais également en tant que président de la branche française de Mémorial, de l'ONG Mémorial, et en tant que membre du nouveau Conseil international de Mémorial. Et vous le savez, Mémorial a été récompensé du prix Nobel de la paix 2022. Bravo Bravo pour Mémorial Pour Mémorial, oui. Pour moi. Voilà donc, euh, aux côtés du militant euh, biélorusse et, et de l'association ukrainienne, c'est évidemment une récompense extraordinaire. On va en parler. Alors, on va s'installer. Si, si. Voilà. Alors, en introduction, moi, je voudrais juste lire les cinq premières lignes de l'ouvrage. C'est une citation de Vladimir Poutine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. son but est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus, à un génocide par le régime de kiev depuis huit ans. à cette fin, nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'ukraine. voilà, c'est un extrait du discours de vladimir poutine pour justifier l'entrée en guerre euh, L'invasion de l'Ukraine par euh, les troupes soviétiques, euh, par les troupes russes, pardon. Euh, avant d'y venir, on va quand même, euh, puisqu'il s'agit d'histoire, on va quand même parler de mémorial, qui est justement une ONG qui a été fondée par des historiens. Est-ce que vous pouvez déjà oui, nous bien présenter oui. euh, l'action, euh, la création et l'action de cette association Bonjour et merci d'être venus nombreux. Encore une fois, oui, je suis heureux de parler aussi en tant que militant et responsable de euh, l'ONG euh, Mémorial, donc, qui a été dissoute euh, sur ordre donc, du parquet général euh, de la Fédération de Russie, par la Cour suprême de la Fédération de Russie, le 28 décembre euh, 2021. Alors, Mémorial, euh, au fond, c'était la plus ancienne et la plus respectée, peut-être la plus éminente, la plus connue des ONG russes, qui a été fondée au moment de la perestroïka. Son premier président était le grand physicien, prix Nobel de la paix, euh, grand dissident aussi, Andrei Sakharov. Euh, elle a été fondée donc en 1989 officiellement, même si euh, elle a mis deux ans dès 87 pour se constituer hein, dans tout un réseau euh, d'associations, euh, donc qui se sont fédérées véritablement en 1989. Ça a été au fond, ça faisait partie de cet extraordinaire vent de liberté de transparence, de redécouverte de l'histoire, de libération de la parole qui a été au cœur de cette expérience de la pérestroïka entre 1986 lorsqu'elle a été lancée et 1991 en cinq années de, je dirais, de maelstrom, de changement, de transformation qui ont abouti à l'implosion de l'Union soviétique en décembre 1991, ce qui n'était évidemment pas le but recherché de Mikhail Gorbatchev lorsqu'il a commencé les réformes. Il s'agissait selon lui de rénover, d'essayer de rénover le système, un système à bout de souffle, le système soviétique. Et euh, il a été très vite dépassé par, au fond, comme un sorte euh, d'apprenti sorcier qui a essayé de, euh, de, disons, de réformer un système qui, en fait, n'était pas réformable parce qu'à partir du moment où on, où on ouvre le couvercle et où, au fond, toute la je dirais, les frustrations de toute une société, tout le mensonge accumulé pendant 70 ans ressort. Euh, évidemment, euh, voilà, les événements sont allés beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus radicale que, euh, ce, que ce que voulait le promoteur de ces réformes. Qui, après tout, était quand même toujours resté un homme d'appareil du parti, avec sa culture d'apparatchique du parti, euh, même s'il était réformateur jusqu'à un certain point. Donc l'ONG Mémorial, euh, créée donc en 1989, s'est donnée un double but. D'abord, euh, de garder vivante, de perpétuer, euh, la mémoire des répressions de masse et des atteintes massives aux droits de l'homme qui ont été perpétrées par le régime soviétique, face sombre du régime qui, était, qui a été occulté pendant toute la période soviétique. Et le deuxième volet de son combat, c'était la défense euh, des droits humains dans le présent. Donc... Parce qu'au fond, le credo, euh, au fond des fondateurs de mémorial, c'est qu'évidemment, on ne peut pas construire une société démocratique sans euh, connaître son histoire, sans revenir, sans assumer, au fond, ce passé, ce passé qui ne passe pas, qui ne passait pas. Et donc, évidemment, il y a cette double action, à la fois de faire remonter à la surface, de faire ce travail de mémoire dans une société où il y avait bien sûr eu beaucoup de victimes, mais aussi beaucoup de gens qui avaient participé au système. Donc il fallait faire ressortir au fond tous ces crimes du passé, qui étaient évidemment les crimes du régime, mais le régime avait obligé aussi évidemment une partie de la société. À être partie prenante et à être des acteurs euh, de euh, ces répressions de masse. À être complice. À être complice, bien sûr. Et donc, ça a été donc, le sens du combat donc, de, de Mémorial, qui, au moment de la pérestroïka et dans ses, la fin des années 90, a eu une audience extraordinaire, puisqu'il y avait des centaines et des centaines de branches locales de Mémorial. Euh, L'association a compté jusqu'à une centaine de milliers d'activistes, de membres. Euh, donc c'était un mouvement évidemment qui euh, était tout à fait exceptionnel dans les conditions, euh, au fond, de cette URSS, même si ce n'était plus l'URSS euh, d'un totalitarisme, disons, opposé. Euh, dans sa forme la plus pure, qui était sans doute celle de, de, de Staline, de Lénine et de Staline, euh, mais disons dans un système autoritaire, euh, évidemment très largement dictatorial, qui était celui du soviétisme finissant. Euh, de l'époque Brejnev, de l'époque de stagnation. Oui, alors je crois que c'est vraiment effectivement important d'insister sur, vous l'avez dit, des centaines de milliers d'activistes, des centaines de bureaux euh, ouais. à travers toute l'URSS. Donc c'est un, un énorme réseau, un énorme euh, réseau oui. de, de militants qui travaillent sur l'histoire. Et ouais. est-ce qu'on peut dire finalement que le travail. Qui a fait le travail de recherche, d'analyse, de compilation, de recueil de témoignages, etc., de documents. Euh, le travail qu'a fait Mémorial est en fait le travail que n'a pas fait euh, l'État. Bien sûr, absolument. Donc, au cours, enfin, l'activité de Mémorial a évidemment commencé à la fin des années 80, mais elle a duré pendant 30 ans et Mémorial donc a fait ce, cet immense travail à la fois, c'est devenu au fond un des grands centres de recherche et d'études de tout un pan de l'histoire soviétique qui a été très rapidement de nouveau occulté, parce que même si au moment de la pérestroïka on a enfin parlé euh, de tous ces crimes euh, de masse euh, de l'époque léniniste, stalinienne, mais aussi, plus généralement, euh, même si c'était à un niveau évidemment moins grand, euh, si vous voulez, des, des atteintes aux droits humains dans l'URSS brejnevienne, dans l'URSS de Khrushchev, etc. Euh, et donc, euh, ce euh, elle a fait un, un grand travail, si vous voulez, d'histoire, d'abord, parce que. Euh, un, un certain nombre d'activistes remarqués de Mémorial étaient des historiens, des sociologues qui ont fait un très grand travail. Ils ont été les pionniers dans euh, toute une série de domaines, comme l'histoire du goulag, comme l'histoire euh, des violences contre les paysans, euh, dans l'histoire euh, de ces. Euh, villages spéciaux de peuplement qui étaient une sorte de second goulag, euh, les, rr, des villages donc de déportés en périphérie des camps. Ils ont fait un grand travail aussi sur l'histoire de la dissidence. Euh, Mémorial a également recueilli euh, un très grand nombre de témoignages, euh, des plusieurs milliers. D'enregistrement de témoignages à la fois des victimes euh, des famines, des victimes de la grande terreur de 1937-38. Et d'ailleurs, dans notre film que nous avons fait ensemble euh, avec Patrick Rothman, euh, François Aimé et moi-même sur le goulag, nous avons utilisé énormément de matériaux. Euh, provenant justement de, de mémorial, mémorial à la fois des entretiens euh, filmés donc extrêmement euh, utiles et évidemment une enfin d'une d'une euh, extrêmement donc précieux qui ont été faits dans les années 90 2000 euh, des derniers survivants du goulag en particulier euh, sans lesquels, évidemment, ces témoignages enfin n'auraient pas eu lieu et la mémoire, euh, la parole des détenus euh, n'aurait jamais, ne serait jamais parvenue jusqu'à nous, jusqu'aux historiens. Euh, mémorial, les activistes de mémorial ont également eu, euh, donc ont recueilli dans chaque région euh, des, là, il s'agit de dizaines de milliers d'archives familiales de membres des familles des victimes, des déportés, des anciens du Goulag qui ont déposé leurs archives, euh, les archives au fond familiales, euh, à mémorial. Euh, ils ont aussi, euh, autant que possible, érigé des petits mémoriaux. Souvent très modeste, parce qu'au fond, c'était avec les, les, les moyens d'une association dont euh, le nombre d'activistes et le nombre de membres a diminué au cours des années. Euh, ça, on, peut, on reviendra peut-être oui. sur cette question, euh, au fond, de euh, la progressive euh, reprise en main par le pouvoir et notamment par Poutine euh, de, tout, de tout cet aspect-là. Euh, et donc, euh, ils ont découvert, un grand nombre d'entre eux ont également fait des recherches pour découvrir les charniers, notamment de la Grande Terreur. Euh, il faut bien voir qu'il n'y a aucune, il n'y a jamais eu, sauf un très court moment pendant la pérestroïka, il n'y a jamais eu de, euh, de politique de mémorialisation euh, de ces lieux euh, de déportation, de ces camps, etc. Euh, en Union soviétique, comme cela a été fait ensuite, par exemple, enfin, dans le cas de l'Allemagne, euh, où il y a véritablement, on ne peut pas imaginer euh, ces grands camps euh, nazis sans un mémorial, sans le fait que euh, il y a des musées à Buchenwald euh, ouais, à Oche, oui, bien sûr. Euh, et dans, enfin, disons, dans les principaux, sur les principaux sites des, des lieux des de concentration des camps de concentration et aussi des camps d'extermination nazis et tout ceci est absent a, a été absent donc dans la Russie post-soviétique et j'ai des exemples frappants lorsque j'étais à la Colima dans les années 2010 donc ce pôle du Goulag, à quelques 10 mille kilomètres de Moscou à l'extrême fond de la Sibérie, euh, j'ai rencontré des militants de Mémorial qui avaient donc eux-mêmes, ils étaient une dizaine à ce moment-là, euh, posé euh, des, des petits mémoriaux, c'était d'habitude des grandes pierres avec euh, une, une plaque, sur les lieux euh, de massacre euh, des anciennes prisons ou sur les lieux de camps. Donc tout ceci a été fait dans le but qu'on n'oublie pas évidemment euh, ces, ces lieux et toute cette histoire, et notamment pour en faire des lieux de mémoire, euh, puisque l'État euh, ne le faisait pas. Alors, on, on va revenir bien sûr sur, sur euh, Poutine, mais juste pour terminer sur cet euh, aspect-là du travail de... De, de révélation, en quelque sorte, de, de, du travail de, de, des militants de, de Mémorial. Peut-être, vous, vous évoquiez la Grande Terreur et, et le fait de, que des charniers avaient été. Euh, donc, je crois que c'est bien d'expliquer de, qu'en fait, les victimes de la Grande Terreur, ce sont des centaines de milliers, euh, 800 000 oui. à peu près, euh, et donc. Donc 800 000, c'est difficile à imaginer, hein, en termes justement euh, de nombre de charniers. Oui. C'est-à-dire que la Mémorial a fait un travail de recherche, de repérage, en quelque sorte. Voilà, Le terme absolument. est un peu bizarre, mais c'est ça. Et donc, il y a une cartographie. Voilà. Euh, donc, vous imaginez ce que ça peut être comme révélation dans la, dans la société. Euh, soviétique, j'imagine que... Absolument, surtout qu'il faut bien comprendre au fond qu'une des, enfin, des grandes particularités des répressions de masse de l'époque stalinienne en particulier, c'est que c'était des répressions qui étaient gardées secrètes, c'est-à-dire que les gens étaient arrêtés, mais les, euh, les proches étaient arrêtés, condamnés. À mort par ces juridictions d'exception de la police politique sans le moindre procès, évidemment, sans la présence de l'accusé. Et les membres de leur famille, des familles des personnes exécutées, n'étaient jamais mis au courant de la sentence. Qu'est-ce qu que disaient euh, les fonctionnaires du NKVD si jamais les proches des victimes parvenaient à avoir après des jours et des jours et des jours euh, d'attente devant les bureaux du NKVD, euh, quelle réponse obtenait-il Votre père, votre mère, votre époux, épouse, votre fille, votre fils a été condamné à 10 ans de camp sans droit de correspondance. En fait, c'était un, une fausse. Information puisque la personne avait déjà été exécutée. Les gens attendaient dix ans jusqu'en 47-48, et puis, bah, évidemment, personne ne revenait, et ils n'ont pu connaître un tout début de vérité euh, au fond sur ce qui était que leurs proches avaient été euh, fusillés seulement après la chute de l'URSS, parce que dans la période de khrouchtchev et de Brejnev, euh, au mieux, on, euh, on leur, enfin, ils recevaient un papier comme quoi leurs proches étaient morts d'une crise cardiaque euh, dans les camps, par exemple. Et il y a, on a d'ailleurs des instructions de 1955, juste après la mort euh, de Staline, donc à l'époque khrouchtchevienne euh, du chef du, du KGB de l'époque. Euh, donc, qui s'appelait Serof, à ses subordonnés, qui leur disait que si des gens essayent de savoir ce, qu ce que sont devenus leurs proches qui avaient été exécutés, il faut leur donner oralement simplement la réponse que leur proche est mort en camp, telle ou telle raison, d'habitude arrêt cardiaque. Dans la durée des dix ans pour que ce soit plausible, donc entre le moment de l'arrestation et le moment où il aurait dû être libéré. Il faut bien comprendre qu'au fond, toutes ces centaines de milliers de gens qui avaient eu un proche exécuté n'ont su la vérité que à partir de 1991-92. Et d'ailleurs, euh, Mémorial euh, a très activement participer et contribuer à l'adoption de deux lois fondamentales, passées l'une en octobre 1991, l'autre en juin 1992, sur la réhabilitation des victimes euh, des répressions de masse, où enfin euh, les autorités et l'État étaient obligés de donner la vérité sur le sort de ces personnes qui avaient été fusillées pendant la période stalinienne. Normalement, euh, il devait y avoir une compensation, non seulement une réhabilitation, mais une compensation, parce qu'il faut savoir que lorsque une personne était condamnée, soit à 10 ans de camp, soit à la peine de mort, euh, tous leurs biens étaient confisqués, mais ils jamais eu, il n'y a jamais eu de compensation financière. Pour ceux euh, donc pour les familles des victimes et la deuxième loi de donc ça c'était la loi d'octobre 91 et la loi de juin 92 euh, obligeait euh, l'État et notamment les euh, enfin le successeur du NKVD le KGB à ouvrir les archives pour justement que euh, les historiens aient accès à ces documents, ce qui a été fait que très partiellement euh, à partir de 92-93, et ces archives ont été très rapidement refermées. En tout cas, toutes les archives du FSB. Quelques historiens, moi-même, on a pu euh, s'engouffrer dans cette brèche pour essayer justement de travailler dans ces archives du FSB. Euh, on l'a fait euh, bon dans les années 90, mais ça s'est refermé très rapidement après. Alors justement, hein, dans, dans votre livre, Poutine, historien en chef, hein, on comprend bien que la, la question de fond, c'est la question du récit Absolument. historique. Alors, oui. est-ce qu'en deux mots, avant d'arriver à la période Poutine, on a un récit historique soviétique Absolument. Et, et dans, dans un moment très court en fait. On a un contre-récit euh, qui est celui donc des historiens qui, qui finissent par réussir à travailler sur les archives. Oui, tout que... à fait. Alors, on sait très bien que l'histoire jouait un rôle absolument capital dans l'idéologie euh, soviétique, dans l'idéologie euh, officielle soviétique, puisque euh, au fond c'est... Selon les lois de l'histoire marxiste, que le régime se légitimait, n'est-ce pas? Donc, euh, il y avait eu la grande révolution socialiste d'octobre, en octobre 1917, une sorte de premier avènement qui était logique, puisque, au fond, euh, selon les lois de l'histoire, euh, telles que, en tout cas, disons, une interprétation. Assez libre, je n'entrerai pas dans les détails euh, des, euh, du marxisme. Il devait y avoir donc toute une série de stades d'avancement euh, de, de l'humanité au cours de l'histoire, qui passait du stade féodal au stade capitaliste, puis au stade impérialiste, et enfin au stade socialiste, et un beau jour, un jour, un horizon qui s'éloignait de plus en plus au stade communiste. Il y avait donc toute une gradation et logiquement donc euh, dans ce schéma, euh, l'Union soviétique incarnait au fond la marche de l'histoire puisque euh, c'était un pays qui avait réussi euh, au fond le seul pendant un certain temps. Ensuite, il y a eu d'autres pays qui devenus socialistes qui incarnait donc les lois de l'histoire, développées par marx, puis engels, lénine, staline, euh, donc la, les fameux quatre euh, grands, dont les portraits et les sculptures figurent encore sur le fronton de euh, des archives euh, du parti à moscou, de l'institut du marxisme-léninisme on avait mis entre guillemets stalinisme après 1956. voilà. et donc euh, l'histoire jouait un rôle absolument central. Euh, il y avait une doxa. c'était donc euh, symbolisé par des manuels théoriques, le plus célèbre étant euh, l'abrégé de l'histoire du parti communiste bolchevique, euh, édité sous les auspices de Staline en 1938, puis une seconde histoire corrigée, revue et corrigée en 1963 après les révélations de Khrushchev, qui s'appelait euh, l'Histoire du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc il y avait une doxa. Les historiens du contemporain en Union soviétique donc étaient des sortes de prêtres d'une doxa. Euh, voilà. Et euh, les historiens n'avaient évidemment pas accès aux archives. Les historiens n'avaient pas accès aux archives et évidemment les historiens les plus honnêtes et les plus ceux qui ne voulaient pas se compromettre faisaient tout sauf de l'histoire soviétique. Il y avait de magnifiques historiens qui faisaient de l'histoire de l'Antiquité, de l'histoire du Moyen Âge français, de l'histoire de la... des temps modernes, mais surtout pas de l'histoire soviétique puisque tout le monde savait que ce, les spécialistes de l'histoire soviétique, c'était tout simplement des fonctionnaires du parti euh, qui avaient une sinecure euh, en euh, se, 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 racontant une certaine histoire euh, de l'Union soviétique, qui d'habitude se résumait d'ailleurs à l'histoire du Parti communiste de l'Union soviétique. Voilà, donc ça c'était la situation jusqu'au fond en 1985 au moment de la pérestroïka, eh bien, la pérestroïka, ça a été un appel d'air, de liberté, de discussion extraordinaire. et tout ce schéma, au fond, s'est écroulé au cours des quelques années de la pérestroïka, de la glasnost, de la transparence, lorsqu'on a enfin parlé des crimes du stalinisme. certes, Khrouchtchev en avait parlé un peu. Au e Congrès, mais il n'en avait donné qu'une version extraordinairement édulcorée. Par exemple, pour la Grande Terreur, il n'avait retenu que les purges des cadres militaires, politiques, économiques. Donc, laisser entendre que les victimes de la Grande Terreur, c'était essentiellement euh, des responsables politiques bolcheviques. Il avait absolument omis le fait que ces responsables ne représentaient que quelques pourcents euh, de l'ensemble des quelques 750 à 800 000 personnes qui avaient été exécutées. Et pareil, évidemment, euh, il y avait des pans entiers qui n'avaient pas été révélés, évidemment, par Khrushchev. En particulier les grandes famines consécutives à la collectivisation, sur lesquelles il y avait un blackout total. Euh, donc, pendant la, la perestroïka, euh, il y a eu évidemment euh, un grand mouvement de réécriture de cette histoire, de on, les, les faits cachés, occultés, tout l'aspect sombre de cette histoire soviétique sont remontés à la surface. Les historiens n'étaient pas évidemment en pointe à ce moment-là. D'ailleurs, je rappelle que pendant toute la durée de la perestroïka, les archives sont restées ouvertes, elles ne sont devenues elles ne sont restées fermées, elles ne sont devenues ouvertes que après la chute de l'URSS et donc je dirais que ce sont les journalistes, les sociologues les philosophes, même les littéraires, qui ont été un peu aux avant-gardes de ce grand mouvement, euh, si vous voulez, de d'ouverture et de euh, sortie du silence qui était imposé donc à, à la société pendant des décennies. Euh, donc, ce sont eux qui étaient aux avant-gardes. Alors, à partir de la chute de l'URSS, vous pouvez imaginer euh, à quel point. Euh, au fond, la société euh, a été un peu désemparée parce qu'au fond, voilà donc tous les repères, ça, tous les repères d'explication sont tombés. Alors donc, euh, au fond, ça a été un grand moment de désarroi social puisqu'il n'y avait plus de récit national auquel s'accrocher. Et donc, il a fallu réécrire un troisième récit. Un second, puis Et un troisième, troisième récit. Et dans les années 90, donc sous la présidence de Yeltsin, on a un, une période au fond assez intéressante euh, où l'idée, c'est qu'au fond, euh, il faut renouer avec euh, l'avancée de la Russie. Tsariste des dernières années. c'est à dire qu'il y a une sorte d'idée, on va renouer, on va fermer la parenthèse du soviétisme et on va renouer avec un passé glorieux qui s'incarnait dans ces décennies, ces dernières décennies du tsarisme, les années la fin du 19e, début du 20e siècle, où il y a eu en effet des grands progrès économiques et où il y a eu une sorte de libéralisme économique, même si, bien sûr, euh, d'un point de vue politique, euh, le tsarisme restait une autocratie. Mais euh, il y a eu cette idée, donc, que, au fond, il y a eu un coup d'État pendant la Révolution d'Octobre, fomenté par les bolchéviques, mais qu'au fond, l'avenir, c'est de renouer avec le passé tsariste. On a glorifié euh, en particulier le tsar Nicolas II, qui quand même n'était pas un personnage très sympathique ni très démocrate. Il est devenu un saint martyr de la foi, avec un retour tout à fait remarquable et remarqué dans ces années 90 à toute, un, toute une série de symboles. De la Russie pré-révolutionnaire. On va rétablir l'hymne euh, russe d'avant 1917. On va euh, rebaptiser Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Oui. Leningrad devient Saint-Pétersbourg. Des dizaines de noms de villes re retrouvent leur nom d'avant la révolution de 17 on va donc remettre l'hymne russe national. on va également, euh, par exemple, retrouver euh, toute une série de traditions de la russie tsariste, comme les écoles de cadets, euh, euh, etc., etc. et, d'ailleurs, dans les manuels scolaires, on va glorifier le tsarisme. on va glorifier en particulier euh, le, euh, un homme politique qui sans doute était le premier ministre le plus intelligent euh, de Nicolas II, qui était Piotr Stolypine, qui avait essayé de réformer euh, le pays en, en particulier en essayant de briser. Tout ce carcan des traditions communautaires paysannes pour essayer de faire des paysans russes un peu des fermiers à l'occidental, euh, etc., etc. Et au fond, euh, il y a une sorte de supervalorisation de la Russie tsariste. Le problème, c'est que pendant le même temps, il y a cette réforme économique. Extrêmement brutale qui est mise en place, une sorte de hyperlibéralisme euh, de euh, sous l'initiative euh, enfin, euh, de deux euh, dirigeants euh, enfin, qui étaient donc premiers ministres euh, en Russie dans les années 90, Chubais et Gaïdar adeptes de l'école euh, libérale, hyperlibérale de Chicago, et qui ont donc fait une sorte de thérapie de choc pour essayer d'amener la Russie sur la voie d'un développement à l'occidental. Donc, euh, en même temps, euh, ces années 90, euh, cette thérapie de choc a en fait entraîné une paupérisation extraordinaire de la population, euh, un enrichissement d'ailleurs énorme des oligarques, et au fond, cette tentative euh, de libéralisation totale économique, de revenir à un sort de modèle occidental de développement, euh, en fait sans la démocratie et sans la base euh, d'une véritable économie de marché régulée par l'État. Euh, comme on la trouve euh, évidemment dans les démocraties euh, occidentales, a fait faillite en 1998. Euh, une sorte de symbole, un symbole. C'est à la fois euh, le sommet de cette campagne de glorification de Nicolas II, dont les restes sont inhumés en grande pompe. Euh, à Saint-Pétersbourg lors d'une cérémonie où Yeltsin demande pardon pour les crimes des bolcheviques et en même temps euh, donc, et il est proclamé martyr de la foi avec évidemment euh, un rôle croissant de l'Église orthodoxe. Oui, parmi les, euh, ce retour à la Russie traditionnelle, il y a évidemment dans les années 90, la reconstruction d'un très grand nombre d'églises qui ont été détruites par les bolcheviques, avec en particulier à Moscou la cathédrale du Saint Sauveur qui était un grand édifice un peu de style en France, enfin le style le plus proche je dirais, c'est le style sulpicien des années 1880, euh, qui devait symboliser justement cette alliance entre le pouvoir tsariste et l'église orthodoxe. On reconstruit à l'identique cette église et en même temps, 1998, c'est un crack économique total. C'est un défaut de paiement de l'État sur la dette. C'est le creux au fond de la de la dépression. Et donc, ce modèle de retour à un passé tsariste, au fond, ça ne marche pas puisque c'est en même temps il euh, y a quelque chose donc euh, d'un échec au fond de cette convergence avec le modèle occidental. Et c'est à ce moment-là que Poutine va inventer, va venir au pouvoir en 2000 et va proposer un nouveau récit national euh, qui va succéder à cette ébauche de récit national nouveau qui succède au récit soviétique qui est celui des années 90. Alors, ce récit national, c'est la Russie éternelle, c'est le patriotisme, c'est voilà. certains moments comme la Grande Guerre patriotique qui sont... À nouveau glorifié. Absolument. Donc, Poutine, pour moi, j'ai essayé de trouver une formule pour essayer d'expliquer le sens et la structure de ce nouveau récit national. J'appelle ça le syncrétisme poutinien, puisqu'il va essayer à la fois, de, euh, au fond, de réconcilier deux périodes antagonistes la période tsariste mais aussi donc la grandeur de la Russie éternelle mais aussi la période soviétique mais une période soviétique décommunisée donc il va mettre de côté tout ce qui est idéologie communiste pour au fond glorifier non pas la révolution de 1917 1917 c'est une catastrophe nationale pour Poutine, puisque c'est un affaiblissement de la nation russe euh, qui euh, euh, s'affaiblit, qui sort de la Seconde Guerre mondiale, qui signe le traité humiliant de Brest-Litovsk avec l'Allemagne. Et par contre, il va glorifier euh, au fond un aspect de l'expérience soviétique. C'est ce qu'il appelle la modernisation stalinienne. Donc, de manière très, hein, quelque chose de, enfin je veux dire, qui ne tient pas debout pour les historiens, il va glorifier Staline. Il va, au contraire, euh, dire que Lénine a eu tout faux, que Lénine a euh, même trahi. La Russie, en signant le traité de Brest-Litovsk, par lequel la Russie est amputée de 800 000 km, perd une vingtaine de millions d'habitants, plus une grande partie de ses ressources. Par contre, la faute, et il le dit donc dans un texte étonnant de 2013, Staline a expié la faute des Bolcheviks, a expié la faute de Lénine en. Gagnant la Grande Guerre patriotique et en faisant de l'URSS une grande puissance. Et là, donc, on a un virage vraiment à 180 degrés, oui. puisque, autant à l'époque de la Perestroïka, mais même de l'époque de Yeltsin, Staline n'était pas glorifié, alors qu'à partir de, des années 2000, dans ce nouveau récit national que construit poutine, il va y avoir une glorification de staline comme d'un dirigeant qui a euh, évidemment euh, porté au fait la puissance de l'union soviétique grâce à la victoire dans la grande guerre patriotique, c'est le la manière dont on désigne euh, la seconde guerre mondiale euh, en russie. Donc, la, et d'abord en Union soviétique, on l'a désigné de la même manière, mais en Russie euh, à partir donc des, des années, surtout des années 2000. Et donc, il va y avoir cette sorte d'étonnant syncrétisme euh, autour euh, de cet événement qui devient l'événement majeur, c'est celui donc, de la grandeur et de la victoire de l'Union soviétique dans la grande guerre patriotique et euh, à partir de ce moment là évidemment vous comprenez bien que on ne peut pas glorifier Staline tout en dénonçant comme le faisait euh, au fond à la fois comme on l'a fait au moment de la perestroïka et, et dans les années 90 euh, toutes les répressions de masse de, de Staline. Euh, on ne peut pas glorifier staline et parler du goulag parler des famines parler des déportations de masse donc tout cet aspect là va de nouveau être mis sous le boisseau alors pardon vous interrompez sous le boisseau ce n'est pas tout à fait totalement le cas en tout cas pas totalement c'est t... oui. intéressant parce que justement voilà. sur l'idée de synchrétisme c'est-à-dire qu'il y a à la fois la reconnaissance de certaines choses, mais, oui. mais jusqu'à une certaine limite et, et d'une certaine manière. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup glosé, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait quand même qu'en 2015, euh, on est ouvert à Moscou un musée du Goulag. Un musée du Goulag. Pourquoi est-ce que euh, Poutine a fait ça assurément pour ne pas laisser à mémorial au fond le monopole de euh, l'histoire de ces pages sombres. donc, poutine explique que il y a eu quand même des erreurs, des excès sous staline, mais qu'au fond ces erreurs, ces excès euh, sont, sont rien à côté de la, la stature du personnage et aussi du fait que sous Staline, l'URSS est devenue une grande puissance industrielle, etc. Et C'était le regarde... prix à payer en quelque sorte. C'était le prix à payer en C'était quelque... le prix à payer. Et si on regarde attentivement la muséographie, au fond, l'explication qu'on a dans ce musée du Goulag, au fond. Euh, L'idée, une des idées maîtresses, c'est que certes, il y a eu des répressions, mais au fond, ces gens au Goulag, ils ont joué un rôle positif dans la colonisation du pays, dans la mise euh, en valeur des richesses de régions inhospitalières, mais riches en matières premières, où personne ne serait allé de sa propre de son propre désir, de sa propre volonté. Il y a l'idée que, euh, au fond, le Goulag a aussi contribué à la grandeur du pays parce que il, les gens du au Goulag ont bien travaillé et ont permis à l'URSS de devenir un des premiers producteurs, sinon le premier producteur d'or, grâce à, à l'exploitation des gisements orifères de la Colima. Euh, le premier producteur de nickel, grâce euh, à l'exploitation des gisements de nickel dans la ville de Norilsk, au-delà du cercle polaire, qui est une ville concentrationnaire où, finalement, euh, évidemment, personne n'y serait allé de son propre gré. Donc, c'est parce que des dizaines et des dizaines de milliers de détenus ont été envoyés à Norilsk que. Euh, on a pu exploiter les gisements de Norilsk, etc. etc. que les, les gens au Goulag ont contribué à la création d'infrastructures, de canaux, de lignes de chemin de fer, euh, de centrales hydroélectriques. C'est l'idée sous-jacente. Hein. Voilà. Alors, juste une question par rapport à, à cette façon de, de, de présenter les crimes. Euh, vous soulignez un point qui me semble vraiment... Très important, c'est le fait que Mémorial et les historiens vont à un moment donné essayer de répertorier les victimes mmh. et à un autre moment vont essayer de désigner des responsables, voire des coupables. Et donc là, il y a pour Poutine, euh, s'il y a des excès, comme vous l'avez dit, tout ça doit être anonymisé. anonymisé, et, et donc, il, 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 il ne faut absolument pas qu'il y ait de responsable désigné. Je voilà. pense que c'est un point. Un point très important, une ligne rouge à ne pas franchir. On s'est rendu compte que, au fond, les persécutions contre l'ONG mémorial, mais aussi, si vous voulez, plus généralement, contre toutes les ONG, contre tous les acteurs de la société civile, se euh, sont. Accélérer et accentué. D'abord, évidemment, à partir de 2014, on va y revenir, c'est euh, l'annexion de la Crimée, c'est la, la première guerre, enfin, contre l'Ukraine, même si c'est une guerre en partie déguisée, puisque au Donbass, comme vous le savez, les, euh, les, les Russes prétendaient ne pas envoyer de troupes et que c'était donc. Euh, localement, euh, des, euh, des gens qui ont pris les armes contre une soi-disant oppression ukrainienne de la minorité russe euh, du Donbass, euh, mais aussi à partir de 2016, lorsque, en effet, les euh, chercheurs, activistes, militants de Mémorial, après avoir dressé les listes un immense travail euh, des victimes. Euh, dans chaque région ont été publiées des listes, des livres de mémoire et ce sont donc des millions et des millions de noms qui ont été révélés à la suite d'un travail extraordinairement patient dans, euh, enfin disons, euh, c'était un des objectifs de chaque organisation de mémorial que de dresser la liste des noms des victimes, des fusillés, des déportés, des gens détenus au Goulag, des gens morts au Goulag, des gens exilés. Euh, à partir de ce moment-là, à partir de 2016, quand ce travail a été fait, un certain nombre d'historiens, de, de responsables de mémorial ont décidé de passer à l'autre étape, c'est-à-dire de révéler aussi les noms, de ceux qui ont participé dans les organes du NKVD aux répressions de masse. Et ça, ça a été vraiment une ligne rouge à ne pas franchir. On l'a vu avec le cas emblématique de ce responsable euh, de l'association mémoriale en Carélie, une région donc, euh, au nord-nord au nord de la Russie, euh, qui, euh, Yuri Dmitriev qui a été en 2016 arrêté, et ça a été vraiment un, un signal extrêmement fort, qui a été arrêté, qui a été euh, donc sous un prétexte atroce et vraiment enfin, ignoble de pédophilie. Bon, C'est un prétexte, on le sait, euh, qui est très souvent aujourd'hui euh, utilisé par les officines du FSB. Un Français en a fait les, les frais. Johan Barbero, il raconte son histoire. Il était professeur à l'Alliance française de, euh, de, de, Novo, de Novosibirsk, oui. Et euh, il en a fait un livre. Et donc euh, c'est le film enfin, le oui, film est, est tiré le, de son histoire voilà, le film compromett oui, proposé que, tout à l'heure donc ça devient une technique une stratégie une, devient une technique il y a une sorte de, de contagion de pédophilie parmi les responsables de mémorial en Carélie. Un autre responsable de Mémorial, euh, directeur d'un du mu musée important de Medvejegorsk, lui aussi est accusé. Euh, Yuri Dmitriev, pour revenir à son cas emblématique, euh, est innocenté par un premier jugement. Euh, le jugement est cassé, le juge est licencié, le parquet fait appel et... Euh, Yuri Dmitriev, après trois procès euh, tout aussi iniques, est finalement condamné l'an dernier après cinq années de détention préventive à 15 ans de camp, enfin de colonie pénitentiaire à régime sévère. Euh, il fait partie de ces quelques 500 prisonniers politiques recensés par Mémorial. Euh, et ça, c'était évidemment avant. Euh, la guerre de euh, avant février euh, euh, 2022. Alors, Et donc c'était une ligne rouge à ne pas franchir parce que euh, parmi les responsables de mémorial, Yuri Dmitriev a été le premier à euh, recenser aussi évidemment euh, les responsables locaux régionaux du NKVD qui ont participé à la Grande Terreur. Et manque de chance pour lui, euh, le responsable du FSB de Kareli était le fils d'un de ses responsables qui, en 1937-38, euh, donc a mené fond ces opérations répressives de masse. Euh, Yuri Dmitriev a donc montré que c'était voilà, ce, ce personnage était responsable euh, et. Euh, il a été évidemment, on sait aujourd'hui comment il a été poursuivi et par qui, euh, et donc euh, aujourd'hui condamné. Je rappelle euh, une nouvelle, c'est que, euh, enfin je vous le dis, euh, le 10 décembre, lorsque euh, la délégation de mémorial composée de 20 personnes se rendra à Oslo, il y aura symboliquement... Deux personnes qui ne viendront pas, donc deux chaises vides, ce seront les chaises vides pour deux prisonniers politiques. L'un d'entre eux sera la chaise de Yuri Dmitriev. Alors, vous, vous détaillez bien précisément hein, dans, dans votre ouvrage justement comment euh, Vladimir Poutine euh, finalement essaye de broyer Mémorial euh, avec des, des, des accusations, des obligations, euh, euh, comment Mémorial devient euh, agent d'étrangers, etc. Alors, on oui. ne va pas forcément pouvoir tout développer, malheureusement, parce que l'heure tourne. Et, et donc, il y a ce travail de construction du récit, de, de persécution vis-à-vis -vis de Mémorial et des historiens. Et puis, il y a, bien sûr, l'agression euh, qui oui. se fait en plusieurs temps. Vis-à-vis -vis de l'Ukraine, donc la Crimée, ouais. le Donbass, et puis le 24 février, et donc, comme on le disait en introduction, avec un discours historique. Ouais. Donc, un discours historique et un discours au fond centré, encore une fois, c'est ça qui était quand même extraordinaire. Au fond, pourquoi on va envahir l'Ukraine pour la dénazifier Donc, la référence du mal absolu, c'est évidemment Surtout pour les Russes qui ont été, il est vrai, les premières victimes, à côté évidemment de la population juive d'Europe, euh, de la barbarie nazie, avec des millions et des millions de civils euh, sauvagement assassinés par les nazis. Donc le mal absolu, évidemment, c'est pour eux le nazisme. Et. Il y a cette extraordinaire translation, au fond, euh, faite par le pouvoir poutinien, selon laquelle, aujourd'hui, euh, les, les Ukrainiens seraient donc des suppôts du nazisme. Sur quoi cela Est-ce qu'il y a un tout petit début de Sur quoi ils bâtissent euh, cette extraordinaire falsification depuis 2014, depuis l'invasion, donc l'occupation de la Crimée et depuis la guerre du Donbass, un thème de propagande est devenu absolument central dans la propagande poutinienne c'est euh, la collaboration d'une petite minorité de nationalistes ukrainiens. De Essentiellement des régions occidentales de l'Ukraine, la collaboration avec l'occupant nazi. De quoi s'agit-il euh, En effet, euh, après euh, que l'URSS a envahi les régions occidentales de l'Ukraine à la suite donc du pacte germano-soviétique. À partir donc de septembre 1939, en effet, donc un mouvement de résistance nationaliste ukrainien anti-soviétique s'est constitué. Il y avait des racines évidemment un peu avant 1939 dans cette partie occidentale de, de l'Ukraine, et ces nationalistes ukrainiens ont, au moment de l'arrivée, enfin de l'invasion euh, de cette partie de l'Ukraine et de l'Ukraine, d'une grande partie de l'Ukraine par l'Allemagne nazie, par les troupes de la Mehrmacht à partir de l'été 1941, ont voulu d'abord collaborer, oui, avec le pouvoir nazi, mais surtout essayer de jouer. Au fond de ce, dans ce chaos, la carte au fond du nationalisme ukrainien pour essayer de constituer, de reconstituer dans ce chaos un État national ukrainien qui, je le rappelle, avait existé pendant un très court moment en 1918 lorsque, pendant quelques mois, l'Ukraine a été indépendante. Une grande partie de l'Ukraine, en tout cas pas toute l'Ukraine, a été indépendante du pouvoir bolchevique et a voulu constituer un État ukrainien indépendant. Et donc jouant sur cette toute petite minorité, d'ailleurs il faut savoir que l'Allemagne nazie n'a jamais euh, laissé se développer ce mouvement nationaliste ukrainien, n'a jamais accepté... Euh, les revendications des Ukrainiens, de cette minorité ukrainienne, de constituer un État national ukrainien, parce que tout ce qui intéressait les forces d'occupation allemandes, c'était évidemment de piller l'Ukraine, qui était une des régions les plus riches, à la fois d'un point de vue agricole, mais également d'un point de vue industriel. Et donc, les Allemands, les, les nazis n'ont jamais euh, favorisé la constitution de d'un État national ukrainien comme le voulait cette petite minorité. Et donc la propagande poutinienne a pris prétexte de cet épisode pour essayer de prétendre que les Ukrainiens seraient en grande majorité, sinon tous, des nazis. Et donc il faut dénazifier l'Ukraine. Et il faut dire que... Les événements de 2014, qu'on a appelé la révolution de Maïdan, lorsque euh, le président pro-russe Yanukovych a été chassé par une, un soulèvement populaire en février euh, 2014, qui a d'ailleurs été un prétexte pour Poutine pour envahir la Crimée quelques semaines après, il faut dire qu'à ce moment-là, un certain nombre, de manifestants ont en effet, euh, disons, mis en avant euh, des héros nationaux parmi lesquels il y avait quelques euh, dirigeants de ces mouvements nationalistes ukrainiens. Néanmoins, si l'on regarde le poids électoral de ce que l'on pourrait appeler cette ultra. Bon, extrême droite, je préfère dire des ultras, des nationalistes euh, ukrainiens, son poids électoral est absolument minime, c'est de l'ordre de 2 à 3 On est loin des extrêmes droites euh, dans d'autres pays européens, des extrêmes droites, enfin, disons, de type fascisant. Euh, et donc ça a été évidemment cet élément qui a été saisi par la propagande poutinienne pour essayer de prétendre que l'ensemble des Ukrainiens sont, euh, si vous voulez, des sympathisants nazis, voire des nazis. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que cette violence, ces crimes de guerre, au fond, euh, perpétrés par euh, les troupes d'occupation russes en Ukraine, se, disons, se comprennent si l'on... Je pense que l'effet de la propagande euh, sur les soldats, sur les troupes, qu'au fond, ils ont affaire à des nazis, à des suppôts du nazisme. Et euh, à ce propos, il y a des textes absolument terrifiants qui ont été écrits depuis février, euh, depuis l'invasion, euh, par des idéologues poutiniens proches du régime. J'en cite euh, un en particulier, euh, Timafie Sergeevtsev, qui, dans une tribune publiée fin février euh, 2022, appelait à une dénazification euh, et une extermination, au fond, des Ukrainiens comme peuple euh, nazi, comme peuple nazifié. Et, euh, si vous voulez aujourd'hui dans les médias russes, euh, il n'y a qu'une expression qui est utilisée, c'est les oukhar fascistes et les fascistes ukrainiens. C'est devenu un nom commun. On ne parle plus que d'oukhar fascistes et de fascistes, donc fascistes parce que en, en, en Russie, on parle plutôt de fascistes que de nazis. Mais donc euh, voilà cette référence qui au fond justifie et permet tous les crimes de guerre. Et si j'ai un moment après, je voudrais juste citer quelques passages oui, de ce oui. texte que j'ai mis euh, en conclusion euh, de, de, de mon petit livre. Oui, alors ce que, ce que vous écrivez euh, euh, par rapport justement à cette histoire officielle, hein, euh, cette nouvelle histoire officielle, c'est à quel point finalement la nouvelle génération, les nouvelles générations, ignorent totalement. Euh, finalement la, les, oui. les, les principaux événements de la période soviétique. Il y a, il y a une espèce d'effacement. Oui, alors là, il y a toute une étude bon, que l'on peut faire, enfin, j'ai ben, le temps, mais j'en parle un peu dans, dans, dans ce livre, sur l'évolution, par exemple, des manuels scolaires. Euh, lorsque je prends des manuels scolaires euh, des années encore euh, bon, 90, même 2000, même début des années 2010, il y a dans le manuel de terminal, qui euh, au fond est consacré à l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie au XXe e et au début du 21 siècle, il y avait quand même, bon, sur ces manuels très gros hein, d'ailleurs, 300 pages, ce sont des, des gros manuels scolaires, il y avait une quinzaine, une vingtaine de pages quand même dans les années 90-2000 sur le Goulag, sur les répressions, etc. Aujourd'hui, j'ai pris le dernier manuel qui date d'avant d'ailleurs l'invasion, hein, le manuel de 2020-2021. Il n'y a plus que six lignes sur le goulag et à peu près quatre lignes, quatre, cinq lignes sur les famines de 1900. Voilà, on est passé Au de 20 pages de 1930, à cinq lignes. On est passé, oui. Et donc, il y a véritablement une occultation de nouveau. Euh, absolument caricatural incroyable, euh, de, euh, des pages sombres de cette histoire soviétique et une glorification, évidemment, centrale, absolument, de la Grande Guerre patriotique. Je rappelle que l'écolier soviétique de Terminal ne sait pas. J'étais moi-même. L'écolier russe. Euh, oh. russe oui. Aujourd'hui, pour lui, la Seconde Guerre mondiale, elle se résume. Elle commence le 22 juin 1941 lorsque l'armée allemande envahit, avec l'opération Barbarossa, l'URSS. Il n'y a pas une ligne sur l'attaque euh, la allemande Pologne. contre la France, mmh. la défaite de la France, euh, sur la résistance de la Grande-Bretagne pendant tout l'automne de 1940 jusqu'à euh, juin 1941, jusqu'à l'invasion. Euh, allemande de l'Union soviétique la guerre ne commence enfin elle est euh, elle commence le 22 juin 1941 il n'y a, a pas de pacte germano-soviétique il n'y a pas de pacte germano-soviétique etc donc on est vraiment là dans une de nouveau dans une manipulation de l'histoire qui est absolument sidérante alors il nous reste, je crois, une bonne vingtaine de minutes et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur un sujet comme celui-là. Euh, donc, euh, il y a un micro qui va pouvoir circuler à Pessac et je sais que euh, je vais également prendre les questions qui pourraient venir, qui, qui vont venir des autres salles. Il y en a déjà. Euh, voilà. Alors, vas-y Bruno. Oui. Bonsoir et merci beaucoup. Que sont devenues les archives recueillies par Mémorial en Russie Est-ce qu'elles ont été protégées mmh. ou récupérées par le pouvoir Et j'ai une deuxième question. En France, est-ce que l'Association des professeurs d'histoire-géographie a fait un geste de soutien envers les, les collègues russes D'accord, merci. Alors, pour les archives de Mémorial, Dieu merci, il y a les scans. Et donc, une grande partie des archives ont été scannées depuis des années parce que mémorial étant menacée en fait depuis, euh, depuis qu'elle était cataloguée en 2012 comme une association faisant office d'agent de l'étranger. c'était la définition euh, de cette loi qui permettait d'épingler toutes les ong euh, recevant des financements de l'étranger de cette étiquette infamante agent de l'étranger. Euh, donc une grande partie des archives ont été scannées et donc sont évidemment, euh, ont été sauvées ainsi, mais pas toutes, et en particulier euh, pour l'instant, euh, disons un certain nombre d'archives, et notamment euh, les, euh, les collections du musée de mémorial, parce qu'il y avait un musée. Dans le bâtiment principal de mémorial qui vient d'être d'ailleurs euh, saisi par la justice euh, russe, euh, ces collections sont encore en Russie. On espère en lieu sûr, mais n'ont pas encore été, n'ont pas encore été, euh, disons, sauvées définitivement. En ce qui concerne euh, l'association des professeurs d'histoire et de géographie, euh, que je, que je connais mais dont je ne suis pas euh, euh, les dernières publications ou les dernières initiatives, à ma connaissance, on n'a pas eu de contact, ils ne nous ont pas contactés, n'ont pas contacté Mémorial France euh, à ma connaissance, enfin, à, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai une question, quel est le statut juridique aujourd'hui de Mémorial Alors, euh, les deux branches de Mémorial, la branche mémoriale internationale, c'est celle qui s'occupait des questions de, enfin, disons de mémoire et d'histoire, euh, et la branche centre mémorial des droits de l'homme. Les deux ont été dissoutes euh, par la, un arrêt donc de la Cour suprême de la fédération de Russie le, les 28 et 29 décembre 2021. Néanmoins euh, un certain nombre de branches locales de Mémorial dans les régions, de branches régionales, c'était une structure très décentralisée, n'ont pas encore été dissoutes, mais un grand nombre de dirigeants, de responsables de Mémorial sont partis en exil. Certains sont restés pour l'instant, mais euh, on ne sait pas, donc euh, ils sont sans doute euh, menacés, ils le savent. Un grand nombre est parti, mais pas tous. Voilà. Alors, mais, euh, oui, une question ici, Alizé. Merci beaucoup. Alors, moi, vous, vous insistez sur la question du récit. Mm -hmm. Et j'aurais envie de vous poser la question euh, de ces sujets auxquels s'adresse euh, ce récit, cette reconstruction totale. Euh, une question qu'on évacue euh, un petit peu trop vite, il me semble, aujourd'hui, en tout cas dans, dans, dans les débats, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle souvent la poutinisation des esprits mmh. aujourd'hui. Qu'est-ce qu qui fait que euh, des sujets adhèrent à, à ce récit euh, oui. euh, avec tous les ressorts Et que des sujets, vous l'avez rappelé euh, aussi, échappent, en tout cas à se soustraient à la, à la chape de la propagande. Comment vous, comment vous vous lisez ça, vous, comme historien? Qu'est-ce qui, oui. selon vous, euh, permet d'éclairer? Alors, il y a une question qui va dans le même sens, hein, pour compléter ce que vous dites. Euh, euh, la population russe croit-elle à l'Ukraine nazie? Oui. Alors bon, euh, donc pour revenir, oui, à cette première question sur le euh, au fond euh, l'adhésion, au fond, comment est-ce que euh, les Russes, la population, dans son ensemble, pourquoi est-ce qu'elle adhère ou elle n'adhère pas euh, C'est quand même fondé sur euh, les valeurs euh, de la nation, du patriotisme. Il y a une éducation patriotique, euh, enfin, tous azimuts dans les écoles, etc. Et il faut bien comprendre... Euh, Qu'il y a eu un traumatisme national, social, euh, au moment, quand même, de la dissolution, de l'implosion de l'URSS, du fait que l'URSS a perdu la guerre froide. Il y a eu donc une humiliation nationale euh, indéniable et Poutine a redonné. Euh, sa manière, enfin une certaine fierté au peuple russe euh, puisque voilà il est respecté il est euh, ben voilà il, il est redevenu un acteur majeur sur la scène internationale et donc cet aspect là de euh, fierté retrouvée d'un bon, peut-être d'un empire puisque au fond il essaye de reconstituer morceau par morceau, cet empire soviétique s'est écroulé. Euh, évidemment, c'est un, euh, un élément extrêmement important pour comprendre, au fond, cette adhésion. Cette adhésion, alors, est-ce qu'elle est massive On sait que, d'après les instituts de sondage, y compris les plus fiables. Il y en a un qui est fiable, l'Institut Lévada euh, qui continue tant bien que mal à exister. Euh, donc, une majorité, bon, peut-être on est plus de l'ordre de 60% aujourd'hui que de 75-80% comme il y a peut-être un an, euh, continue à soutenir globalement, euh, au fond, euh, ce régime. Néanmoins, euh, il y a une interview extrêmement intéressante dans Le Monde d'avant-hier de Lev Gutkov, qui est le responsable de, cette, euh, de ce centre d'études de l'opinion publique, une personne tout à fait respectable, qui a été interviewé très longuement. Il y a une très longue interview de lui par le correspondant du Monde à Moscou. Il rappelle que une grande partie des sondés refusent. De répondre aux questions pour toutes sortes de raisons. Donc, euh, ce n'est pas si simple. Il explique bien qu'il n'y a pas de résistance pour l'instant euh, globale euh, à ce récit national, à cette idéologie. Mais il y a, il ne faut pas non plus penser qu'il y a une adhésion massive. Et il faut bien comprendre que le contrat social au fond fondamental du poutinisme, c'est, je vous assure. Une certaine prospérité, vous pouvez en effet, il y a eu une montée du niveau de vie au moins des classes euh, moyennes dans les villes urbaines, etc. Mais vous me laissez le champ libre dans le domaine politique. On ne sait pas aujourd'hui. Enfin, il va y avoir sans doute. Il y a déjà des effets, des sanctions, et au fond, euh, la population, une grande partie, en tout cas, de ces classes moyennes, vont se rendre compte que euh, le, sans doute leur situation matérielle va se dégrader. Et puis il y a ce choc de la mobilisation, évidemment, et on se rend compte à quel point il y a une accélération des, de la fuite d'une grande partie, enfin d'une partie de la population, des hommes adultes à partir du moment où a été décrétée cette mobilisation partielle qui se fait d'ailleurs dans le plus grand chaos puisqu'au fond, euh, on attrape les gens, les gens euh, là on peut les trouver, dans les gares enfin c'est vraiment euh, enfin, disons euh, euh, c'est extrêmement chaotique en ce moment, il y a quand même 700 000 personnes, euh, essentiellement donc des hommes, en âge d'être mobilisés qui sont partis alors il y a évidemment deux types de départ, il y a eu les départs du début, c'est-à-dire ceux qui n'étaient vraiment pas d'accord, et puis il y a ce qu'on a, vous connaissez ce phénomène trop bien, les résistants de la dernière heure, c'est-à-dire ceux qui partent parce qu'ils sentent euh, qu'ils sont menacés directement. Ce n'est pas forcément pour des raisons d'opposition, mais ils savent qu'ils n'ont pas envie de se faire tuer à la guerre. Donc il y a quelque chose qui se passe évidemment, surtout depuis la mobilisation. Euh, il y a une fuite importante, mais elle n'est pas encore absolument massive non plus. j'ai une autre question. merci pour cette conférence. depuis la guerre en ukraine, l'arménie et l'azerbaïdjan ont repris les combats, malgré l'implication de la russie pour faire respecter un cessez-le-feu entre les deux belligérants. comment poutine est-il perçu dans ces deux pays et, plus généralement, dans les autres pays d'asie centrale? Alors, en ce qui concerne bon, l'Arménie, on sait très bien que pour des raisons historiques, euh, les Russes ont été historiquement des protecteurs de l'Arménie contre les Turcs. Et donc, il y a en effet, euh, traditionnellement, et on le comprend, euh, une certaine adhésion, enfin en tout cas aux grands frères russes, pour des raisons historiques. En même temps, les arméniens ont très bien compris que dans ce conflit du haut-karabakh euh, entre l'azerbaïdjan et l'arménie, la russie a joué sa carte, une carte bon de médiateur, mais qui lui a permis au fond d'augmenter son influence dans la région. et là encore, il y a cette, cet intérêt impérial à la fois bon, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'azerbaïdjan, qui est un grand producteurs de gaz et de pétrole. Donc la Russie a joué un rôle de médiateur dans cette guerre mais je pense qu'à la fois les azéries et les Arméniens comprennent qu'il y a aussi beaucoup à gagner comme influence en tant que médiateur. En ce qui concerne les pays d'Asie centrale, on sait que le Kazakhstan par exemple à condamner l'agression euh, euh, russe de l'Ukraine. Euh, bon, le Tadjikistan, qui est une, euh, vraiment une république bananière avec un dictateur terrible, pas. donc ça dépend des, de ces pays. Il y a des situations assez diverses, mais en tout cas, euh, ce ne sont pas des démocraties. Euh, chaque pays calcule évidemment ses intérêts aussi face aux puissants voisins russes. Alors, merci. Il y a une autre question. Alors, j'ai d'autres questions. Euh, quelle place pour l'argument démographique J'imagine que c'est l'argument oui. développé par Poutine. 40 millions d'habitants en plus dans les annexions territoriales que veut faire Poutine. Sont-elles, selon lui, nécessaires à la grandeur de la, de la Russie, entre guillemets Oui, bien sûr. Enfin, il y a, bon, on le sait que le point faible de la Russie, c'est évidemment sa démographie catastrophique. Et euh, avec ses quelques 140 millions d'habitants pour un territoire aussi grand, la Russie ne pèse pas lourd d'un point de vue démographique, que c'est une, une des grandes faiblesses, euh, cette démographie extrêmement euh, enfin, vieillissante, euh, manque de taux, enfin, taux de fertilité, de natalité extrêmement faible, taux de mortalité très élevé. Euh, donc, le, le fait de l'argument purement démographique de. D'annexer une partie de l'Ukraine doit jouer, mais ce n'est pas évidemment non plus de, enfin, un élément majeur. Il s'agit essentiellement évidemment de considérations géopolitiques et notamment, on le comprend tout de suite en regardant la carte des parties annexées de l'Ukraine, qu'il s'agit d'avoir cette continuité territoriale entre la Crimée une partie est la mer noire et le contrôle d'une grande partie des côtes de la mer d'azov et de la mer noire avec des richesses euh, au donbass euh... avec évidemment bon les richesses du donbass sauf que vu l'état de destruction oui. du donbass <laughs> il va se retrouver évidemment il y avoir avec euh, un, un, au fond des ruines euh... alors une autre question vous vous élevez Contre les comparaisons faites entre nazisme et communisme, au motif que le premier a donné lieu à repentance, mais la seconde à révisionnisme. Pouvez-vous développer Oui, enfin, ce n'est pas que je m'élève, mais on, le, on ne peut que constater que euh, l'Allemagne post-nazie, l'Allemagne démocratique, euh, a fait un véritable travail de mémoire sur les crimes euh, du nazisme. Ça c'est évident, ce qui n'a pas été fait en Russie, dans la Russie post-soviétique. Euh, voilà, sauf par euh, cette, euh, disons, euh, sauf par, par la société civile, par la, le biais de l'association mémoriale. Mais globalement, il n'y a pas eu ce travail de mémoire, comme j'ai bien expliqué. Il n'y a pas de mémoriaux. Euh, sur les lieux de massacre des mémoriaux d'État. Il n'y a que deux exceptions. La première, on a dit, c'est le musée du Goulag, mais avec une muséographie très particulière. Et le second, il y a un seul lieu de massacre de la Grande Terreur parmi les quelques 500 charniers que l'on connaît, qui ont été découverts par Mémorial. Un seul... A été visité par Vladimir Poutine. C'est le charnier de Boutovo, près de Moscou. Et pourquoi Parce que l'Église orthodoxe a mis le grappin, si on peut dire, sur ce lieu. Elle y a édifié une église euh, sur le sang, donc des martyrs de la foi. Et sur les 25 000 personnes qui ont été fusillées pendant la Grande Terreur de 1937-38, à boutovo elle ne célèbre que les quelques 650 membres du clergé fusillés parmi ses victimes euh, sans dire un mot ni des simples paysans ni des simples ouvriers ni des socialistes révolutionnaires des mencheviks des enfants, enfin, tous ces gens qui ont été fusillés donc il y a une instrumentalisation de ce lieu qui est le seul de tous, les, de tous les charniers de la Grande Terreur qui est reconnu par l'État. Et Poutine y va, en effet, y est allé plusieurs fois avec le patriarche de toutes les Russies pour euh, justement honorer ce lieu. Et là, il s'agit donc d'honorer les victimes de la foi. Donc c'est encore une fois une euh, commémoration. Euh, politique, éminemment politique, puisque on n'y reconnaît que les membres du clergé qui ont été et assassinés. Pas autres, et pas les autres, et qui ne constituent qu'une petite minorité, évidemment. Et euh, c'est le seul lieu de massacre de la Grande Terreur sur des centaines qui est reconnu par l'État. Par contre, euh, il faut savoir qu'au moment où on a ouvert le musée du Goulag, euh, les autorités ont fermé d'autres musées euh, du Goulag qui ont été, qui eux ont été euh, ouverts à l'initiative de Mémorial, en particulier le plus connu d'entre eux, le musée Perm 36, qui était un musée euh, justement fait par la société civile et en particulier par un lieu du Goulag et en plus qui était... Dans des baraquements encore, euh, enfin disons, qui n'avaient euh, pas été totalement détruits parce qu'ils avaient été sauvés. C'était le seul euh, lieu, euh, musée du Goulag, sur un ancien site du Goulag. Il a été fermé et on a ouvert un musée du Goulag à Moscou euh, qui, évidemment, euh, n'a pas du tout la même fonction et évidemment, pas du tout. Euh, le même sens que ce musée fait par d'anciens, enfin des membres de familles d'anciens, euh, d'anciens déportés et détenus. Alors, pour terminer, juste une dernière question. On a évoqué le sort juridique de, de mémorial en Russie, mais l'ONG demeure et, 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 et d'une certaine manière, est, est recréée à l'échelle internationale. Vous pouvez nous en dire un mot Oui. Alors depuis l'été nous sommes donc dans un processus de recréation avec nos amis russes euh, d'une ong mémorial qui aura donc une branche bien sûr l'essentiel une branche russe en émigration euh, avec aussi des branches locales mais clandestines euh, et euh, donc nous sommes en train de recréer, il va y avoir un congrès constitutif du nouveau mémorial qui sera une ONG euh, de droit suisse, basée en tout cas formellement pour l'aspect juridique de l'association euh, en Suisse, et avec des branches euh, françaises, allemandes, italiennes, polonaises, tchèques et peut-être une petite organisation belge pour l'instant. donc il y a six branches internationales et évidemment une branche ukrainienne très importante qui euh, aussi, donc, et donc nous sommes dans ce processus de recréation euh, de mémorial, malheureusement un mémorial en exil. Euh, nous sommes justement dans ce processus euh, qui a commencé euh, l'été dernier. Un grand merci, Nicolas Vert. Merci beaucoup.